Hey yo, what's up les gars, connaissez-vous? J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi j'ai la patate aujourd'hui. Alors j'espère que vous avez aimé mon ma création de base que je vous ai mis en première partie de cette vidéo en accéléré. Oui, parce que je ne voyais pas l'intérêt de le faire en live car ça allait prendre trop de temps. Je n'aurais pas su quoi dire tout simplement. Et donc ça m'aurait fait chier hein, moi aussi hein, tout simplement de regarder une vidéo. Ou ben tout simplement le mec construit une base mais ne dit pas spécialement grand chose. Donc c'est pour ça que je vous l'ai fait en accéléré. Comme ça ça vous évitait du temps et de l'ennui. Bienvenue dans cette nouvelle mise à jour de Clash of Clans. Alors je vais vous l'expliquer en long et en large. Alors c'est la mise à jour Noël hein, comme vous pouvez le voir. Car il y a des fois qu'on neige déjà, premièrement, waouh, première grande analyse, Flox m'a ensuite merci. Alors, nous allons analyser, non pas ça, nous allons analyser la séquence de nouveautés. Alors, tout d'abord, nous avons une nouvelle manière d'éditer notre village, avec laquelle je viens de le faire pour le moment. Donc, tout simplement, maintenant, nous pouvons avoir trois modèles actifs de base que nous pouvons changer à tout moment. Donc par exemple, celui-ci à moi, par exemple, ce sera mon village farming, hein, que je vais vous expliquer juste après. Celui-là, ce sera mon village trophy, donc avec lequel je vais pouvoir foncer sur les trophées. Et celui-là sera un village, je sais pas encore. Et celui-là, ben, ce sera, enfin c'est les... Ah, attendez, Et cela, ah oui, et cela ce sera. Attendez, copier le plan. Annuler. Copier le plan. Là. Ok. Merci. Et donc ici, ce sera mes villages de guerre. Donc voilà, quand on fera des guerres des clans avec mon clan. En parlant de clan, vite fait, j'ai quitté les petits gens pour de simples causes qu'il y avait des rageux et que tout le monde quittait. Voilà, point barre. Autre nouveauté, les géants de niveau 7. Alors voilà, vous allez avoir une image maintenant, tout simplement parce que je ne trouve pas les géants niveau 7 sur des joueurs haut placés ou même sur n'importe quel joueur que je connais. À part, attendez, meilleur jeu, non, ouais, dans mes amis, peut-être que dans mes amis. Il faut que je me connecte à Facebook, donc on va te faire foutre, merci beaucoup, au revoir. Donc les géants niveau 7 qui ressemblent à ça, donc voilà, la seule différence qu'il y a avec les géants niveau 6, c'est qu'ils ont une épaulière en or, voilà. Autre nouveauté, et ça je peux vous le montrer. Attention, attention, attention. J'avais été tantôt pour aller voir les nouveaux extracteurs et les nouvelles mines. Mais je ne sais plus du tout où est-ce que j'avais vu ça. Attendez, on va une fois aller voir sur le premier joueur. Voir si lui les a déjà. Il les a déjà, c'est magnifique les amis. Mais il n'a pas encore de mine d'or au niveau 12. Bref, les mines d'or et les extracteurs au niveau 12. On va plus s'attarder sur les extracteurs d'élixir parce qu'ils sont la blinde stylée. Moi j'adore les extracteurs d'élixir au niveau 12, voilà, qui ont ce design là. Par rapport aux extracteurs de niveau 11, ils ont une capacité de 200 000 au lieu de 250 000 et une production de 300, de 3500 par heure au lieu de 3000, voilà. Les extracteurs au niveau 12 ont une gueule badass. Franchement, je les adore. Ils ont vraiment un côté plus big comme ça. Franchement, moi franchement, j'adore. Bref. Et au niveau des mines d'or, bah, ils ont rajouté un peu plus d'or au niveau des rouleaux là. Autre nouveauté apparente et possible. Maintenant, nous ne pouvons plus améliorer nos remparts avec de l'élixir à partir des remparts de niveau 6. Mais nous pouvons malheureusement maintenant... plus les améliorer à partir nous ne pouvons plus les améliorer à partir que des remparts de niveau 9 avec des élixirs, voilà, malheureusement. Simplement parce que partir du niveau 6, ça allait être un peu trop rapide selon le studio Supercell. Autre grande nouveauté aussi pour moi maintenant, HDV7, bon, j'ai aussi un compte HDV8 que voilà, je fais encore un peu de côté. Extracteur, enfin foreuse d'élixir noir. Vraiment très 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 pratique. Pourquoi est-ce qu'ils ont rajouté une foreuse d'élixir noir? Je pense tout simplement qu'avant, quand on était HDV7, on avait simplement
le réservoir d'élixir noir et qu'on pouvait avoir le roi des barbares que je n'ai pas encore eu évidemment et que c'est dans armée. Voilà, mais il faut 10 000 élixirs noirs que je n'ai pas et que même si je voudrais l'avoir, je n'irai pas parce qu'il me faut beaucoup plus de gemmes. Mais bon, comme je ne gemme pas le jeu, ça ne sert à rien. À part pour mes troupes, voilà. Ça, des fois, je m'en sers. Et pour mes potions. Mais donc, au cas où, mon roi de barbare se situera là, sur la base. Si vous voulez recopier la base, ne pensez pas qu'il n'a pas d'emplacement pour le roi. Le roi se situe juste ici. Donc voilà, ce sera beaucoup plus facile pour nous, les HTV7, d'avoir le roi des barbares avec la force aux élixirs noirs, qui maintenant, avec les mises à jour, a plus de capacité. Car avant, il avait une capacité de 120 et maintenant il a une capacité de 160. Donc c'est vachement, vachement pratique. Autre nouveauté. Les tours d'archers qui tirent beaucoup plus vite. On va voir ça tout de suite sur une petite base que j'ai attaquée tantôt, mais avec beaucoup de loot. Donc vous allez voir, la tour d'archer. Regardez la tour d'archer ici, qui a tiré beaucoup plus vite, hein. Souvenez-vous des anciennes tours d'archer, et là regardez leur tir, tac, 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 voilà. Donc ça tire deux fois plus vite, et donc ça fait deux fois plus de dégâts, parce que les dégâts n'ont pas été diminués, tout simplement. Ça a été dit, et ça a été prouvé, les dégâts n'ont pas été diminués, donc ça veut dire que toutes les tours d'archer, à tout level, ont plus de dégâts d'HP. Les jeux au niveau 7, les mines d'or. Maintenant, quand on se connecte et qu'on se fait attaquer, on n'a pas un temps de minimum de maximum 3 minutes à attendre. On peut voir l'attaque en live comme si on était dans la guerre des clans et on voit les villages se faire attaquer. Et ben là, c'est notre village qu'on voit se faire attaquer si par exemple on nous attaque et que on veut se connecter. Donc voilà, j'ai fait le tour des mises à jour. Enfin, des nouveautés de la mise à jour. Mise à jour très complète, franchement, moi j'aime bien cette mise à jour. En plus, il y a des petits flocons, ça fait un peu... tu vois quoi. Aussi, on va aller voir un truc. Il y a une nouveauté, lui... Non, il n'y en a pas. Bon, je vais directement vous dire c'est quoi, c'est un sapin. Les sapins de Noël vont tout simplement servir... Est-ce que lui, il en a? Vont tout simplement servir, non pas à faire beau, mais à... Voilà, les sapins de Noël ici. Donc, vous voyez le sapin de Noël? Tout autour de lui va spawner des cadeaux de Noël, évidemment. Hein. Si c'est Noël et qu'il y a un sapin de Noël, forcément, il faut mettre des cadeaux en dessous. Le sapin se détruit avec 25 000 d'or. Pardon, excusez-moi, je suis un peu malade. Et vous recevez 50 000 d'or une fois... 75 000 d'or une fois que vous l'avez détruit. Donc, en gros, vous faites un bénéfice de 50 000 si vous êtes bon en maths. Bon, moi, je suis extrêmement nul en maths, mais bon, ça, je sais encore faire. Et les petits cadeaux qui vont spawner tout autour vont vous rapporter 5 000 d'élixir chacun. Voilà. Donc ça peut être pratique. Moi comme un con évidemment, ben je l'ai supprimé. Voilà. Bon, honte à moi. Voilà. Là j'ai fait vraiment le tour des nouvelles mises à jour les plus importantes. Hein. Il reste encore des petits détails, mais bon, ça on s'en bat les couilles. Pour vous expliquer ma base. Alors c'est une base farming. À quoi va servir une base farming? Tout simplement, l'hôtel de ville va rester à l'extérieur. Hein, comme vous pouvez le voir, et donc les ennemis voyant votre base vont directement s'attaquer à votre hôtel de ville. Ce qui va faire que vous aurez un bouclier de minimum 12 heures directement. Car une fois qu'on détruit votre hôtel de ville, ça vous fait une étoile et 2-3% hein, selon le village. Mais vous aurez vous-même un bouclier de 12 heures, et pendant ces 12 heures, si vous n'attaquez pas, c'est les extracteurs et les mines. Et maintenant, la foreuse élection noire qui vont travailler. 12 heures, franchement, si on fait un petit calcul rapide, 12 fois 2500, ça fait plus de 25 000. Voilà, 25 000, vous faites ça fois 1, 2, 3, 4, 5, 6. 25 000 fois 6, ça fera 150 000. 150 000 en 12 heures, c'est énorme. Plus les attaques que vous ferez sur le côté, ce sera juste magnifique, moi je vous dis. Donc ça c'est un des designs de base, de farming base, que j'ai trouvé les plus rentables, franchement, parce qu'il y a des défenses partout, à part sur le dessus, que c'est un peu faible. Bon, de toute façon, sur le dessus, il y a quasi rien à attaquer, quoi. Hein. Si vous voyez, toutes les réservoirs d'élixir et les mines d'or sont tout, donc s'ils s'attaquent quelque part et qu'ils veulent avoir mes réservoirs et mes réserves, c'est par le dessous, donc voilà.
Bon, je vous explique vite fait. Alors, hôtel de ville à l'extérieur pour faire les 12 heures de bouclier. Les tours de sorciers qui sont ici pour protéger en masse et en splash les extérieurs. Le mortier qui, directement, si on va s'attaquer à n'importe quoi à l'extérieur ici, va pouvoir attaquer. Le mortier ici qui va couvrir tout ça. Le mortier ici qui n'est pas encore actif mais qui je suis en train de monter au niveau 5 va couvrir tout ça. Les canons niveau 7 à l'extérieur ne sont pas faits pour rien, hein, tout simplement parce que si par exemple on va en lancer ici, eh ben j'ai pensé directement que attendez, ça par exemple je peux le mettre là. Voilà. Bon voilà. Donc les canons au niveau 7 ici ne, je vous dis, ne servent pas à rien car en général quand on les met à l'extérieur c'est qu'on les protège pas, mais ici c'est justement ils servent d'appât pour que le mortier et la tour d'archer fassent, enfin commencent leur travail. Et même peut-être le canon, l'autre petit canon niveau 7 ici. Donc voilà, ça c'est très 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 utile. Les anti-aériens qui sont placés au milieu, le château de clan pareillement. Les tours d'archer qui ont portée qui sont aussi placées au milieu. Les canons niveau 7 ici pour toujours protéger la réserve de l'Élixir Noir. Les trois bombes, les 6 bombes au niveau 3 qui sont placées juste avant les canons, si jamais on m'attaque par ici, pour faire des dégâts en masse sur les petites troupes. Et en cadeau, les Tesla camouflés qui sont mises plus en avant pour faire des dégâts si on m'attaque par le dessus et qui serviront de nouveau, je le dis encore une fois, d'appât. Et les petites bombes anti-aériennes ici niveau 2 que je vais bientôt monter niveau 3. Et la mine tête chercheuse que je pourrais monter au niveau 2 qu'à l'HDV 9 pour 2 millions, c'est énorme. Alors voilà, bah, j'ai fait plus ou moins le tour. Mes bombes géantes ici, qui si on attaque par là, et ben voilà, hop, directement. Si par exemple on attaque avec des géants, et ben directement ils vont se diriger, hop là, comme ça. Vous voyez ma souris normalement. Ils vont se diriger comme ça, et hop, ils vont directement se prendre les bombes géantes, quoi qu'il arrive. De toute façon, pour le prochain épisode de Clash of Clans, du Let's Play Clash of Clans, je vous mettrai des ralentis de mes défenses, évidemment, qui j'espère seront positives. À 1293 trophées, hein. Retenez bien à combien de trophées je suis, 1293. Au niveau de mes améliorations, au niveau du laboratoire, j'ai déjà monté mes barbares et mes archers au niveau 4. Je vais bientôt passer mes géants, qui vont gagner 5 dégâts par seconde, 90 points de vie. Et il va falloir payer 500. What? Oh, et attendez. Oh! Et hey. Ah, c'est bien ça. Étant donné que les géants ont une nouvelle amélioration, un nouveau niveau, et eh ben le prix a été diminué. Ça, c'est vachement bien. Parce que moi, c'était 1500 pour le niveau 3, et maintenant, c'est 1250. Mais bon, il faudra quand même payer 500 en plus à ce que je vois. Oui, il faudra payer à chaque fois maintenant 500 en plus pour le niveau 4. Ensuite, ce sera mes sorciers hein, pour faire la technique que je vous ai dit avec les géants, les sorciers, les sapeurs et les barbares. Voilà. Ensuite, j'aurai mon roi des barbares qu'on peut monter directement au niveau 5 avec pour avoir la capacité du roi qui est de rentrer en rage comme s'il y avait une potion de rage sur lui et qui. Il va invoquer des barbares et tous les barbares qui seront dans son champ, dans son champ de rage, aura aussi la capacité de rage. Voilà, tout simplement, c'est très très simple. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai expliqué ma base, qui a déjà vachement bien avancé hein, pour 2 semaines. Je vous ai montré les nouvelles, les nouveautés de la mise à jour de Noël. Et j'espère que ça vous aura plu. Excusez-moi pour le commentaire qui est un peu fouillis, mais je suis malade donc j'ai pas les idées forcément à faire des vidéos. Mais bon, ici c'est la vacance donc je peux en profiter. Donc excusez-moi si je suis malade. Bon voilà, ça peut arriver à tout le monde. Hein, voilà, excusez-moi. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ciao, ciao, bye bye. Elle est plutôt stylée quand même. Moi j'aime bien. Hein. Moi j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien.